Il n'y a pas dans la ville de Saint-Louis une seule manifestation religieuse. Je défie tout le monde. Aucune manifestation ne peut avoir une tente pareille. Il n'y en a pas. On dépasse plus de 300 mètres. Ça englobe plus de 2 millions de personnes. Et depuis plus de 10 ans, c'est le maire qui déplace Sénégal Bache. Il séjourne avec nous pendant 5 jours pour mettre tous les musulmans dans les meilleures conditions. On lui rend un hommage mérité. Et j'en profite aussi pour lui lancer un petit pic. Marmial Eprin, il urge qu'il nous trouve maintenant un autre cimetière. L'idée qui m'arrive quand je regarde tout ça, c'est que hier je regardais la télévision, les gens avaient répondu à l'appel du président de la République, qui ne communique pas bloc et qui veut gérer échange. De l'échange jaillit la lumière, parce que toutes les bonnes idées s'y retrouvent. Ça, c'est très fort. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est dans ce sens-là. Il y a plus de 2 millions de personnes. Mais moi, quand je suis là, 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 je. Donc, c'est dans l'union, dans l'unicité. La grande innovation, c'est l'action volontaire des jeunes de la COGER. C'est comme ça, COGES, et de l'association des jeunes de Saint-Louis, qui pendant 40 jours sont venus délibérément. Je ne les ai pas appelés. Ils sont venus travailler avec nous pour monter la structure, pour nettoyer, pour balayer, pour désinfecter. Et hier, à ma grande surprise, ils m'ont amené des camions tout neufs. Ils m'ont amené des caisses de dattes que j'ai distribuées ce matin à tout le monde. Et ils sont très jeunes. Mes enfants sont plus âgés qu'eux. Pendant 24 ans, je me suis battu pour ça. Mais j'avais une inquiétude. S'il m'arrivait de partir, qui va gérer tout ça? Ils ont appris, ils ont compris, ils l'ont géré. Je n'ai absolument rien fait cette année. Ce sont ces enfants-là qui l'ont fait. Je prie à Allah qu'il leur accorde une longue vie.